nous quittons Lavanoun pour une longue journée de piste qui nous mènera à Itampoul. Le trajet durera 10 heures. Que ceux qui aiment l'aventure avec un grand A nous suivent. Vous ne serez pas déçus. Cette journée a été magnifique et unique. Nous ne serons pas prêts de l'oublier. Dernière fois pour le plaisir, nous filmons notre remontée vers le plateau Karimboul. Comment va Jacques ? Salut, Bata. Un coup de chapeau à nos chauffeurs. Bravo le chauffeur, hein ? Et comme dira Jaro, ce n'est pas fini. C'est bien bossé là, hein ? Ouais, bah on en aura encore, hein ? Bon. Un dernier coup d'œil sur la Lavanoun Bay et c'est parti. Un superbe tombeau en tambrouille, fraîchement repeint avec de magnifiques fresques. Surmontant le tombeau, de magnifiques alouals. Les alouals sont des totems qui représentent le quotidien du défunt et reflètent toute une scène de vie. La quantité d'alouals sur la tombe symbolise la richesse et le statut social du défunt. C'est typique à la région des Entendrouilles et des Mahafal. Kahinka, un petit aperçu des pistes que nous emprunterons durant cette journée et qui nous mènera pour la première étape à Belou. Belou est une petite bourgade, chef-lieu de district. La plupart des habitants sont des paysans. On y cultive essentiellement du manioc, patates douces, niébé, sorte de gros haricots et des lentilles. Il y a également de l'élevage, bovin, ovin et caprin. Dernière grande ville avant Itampoul, nous profiterons de faire quelques provisions avant de repartir sur la piste. Yarumi tanana.
ni toutoulou. Nous mamba ni foulou. Pati ni goulou goulou. Afanatika, Zemboula ramandika. Le long de la piste, la végétation est aride. Épineux, cactus, cactus, épineux. Et un soleil de plomb. Quelques bergers et leurs troupeaux. Un camion. Quelques charrettes à zébu. Et c'est tout. Ça va, mesdames et messieurs? Ah ben écoute, ça va, ouais. On n'a rien à dire, hein. Ça va, madame? Là, je vais vous faire la présentation des chauffeurs. Alors, ils vont se présenter eux-mêmes, d'ailleurs. Voilà, monsieur. Moi, c'est Ndzak. 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 Ouais. Ben, Eric. Ah, ciao. Et ciao. Ouais. Voilà. Faites connaissance avec nos excellents chauffeurs. Parfois, perdu en pleine brousse, un petit village de quelques cases bien vétustes. On imagine mal comment ces entendrouilles peuvent vivre dans un tel environnement aussi hostile. À notre passage, c'est toujours des grands saluts de la main et des salams à bazar. Les 4x4 se frayent un chemin à travers les cactus. À peine la place pour un véhicule. Et encore. Ça touche des deux côtés. Bonjour les carrosseries. Nous voulions l'aventure. Nous l'avons. Le mal de mer quand on va le regarder à la télé. Oh, café. C'est l'aventure, hein. Exactement.
qu'on l'a choisi, hein. On l'a voulu, hein. On l'a. C'est des vestiges. Ça, c'est vraiment la route de Poissy. Et bon. C'est pas encore fini, hein. Quand on verra ça, on pensera à toi, hein, quand on verra les filles. Allez, au revoir. Voilà pour les Zaza. En route, nous distribuons quelques friandises pour les enfants, qui repartent aussitôt en courant avec leurs précieux cadeaux, qu'ils iront manger derrière un cactus à l'abri des regards. Nous arrivons au bord du fleuve Menaranj. En cette saison, le fleuve est à sec. Il faut savoir qu'en saison des pluies, c'est un torrent d'eau qui coule dans ce lit. Il est alors impossible de traverser le fleuve. Tel n'est pas le cas, alors on se lance. La difficulté pour nos véhicules, c'est l'ensablement. Mais nos chauffeurs connaissent bien les endroits à éviter. Nous posons une halte au milieu du gué. Le spectacle est étonnant et nous sommes entourés par tous les villageois des alentours. Est-ce notre piste que nous allons retrouver? Non, c'est raté. Il faut aller voir plus loin. Nous longeons ainsi la rive droite sur quelques kilomètres. Enfin, la sortie est en vue. Cette fois-ci, c'est la bonne. Là, c'est la plage. Vous voulez filmer les autres qui arrivent ? Oui, j'aimerais bien. C'est bon, si vous voulez sortir alors, moi j'avancerai un petit peu. Cela fait près de 5 heures que nous roulons et l'heure du casse-croûte va bientôt sonner. Nous recherchons une petite place à l'ombre car il fait très très chaud. Ah, c'est unique, hein? Quoi? Ah,
c'est unique. Vous demandez, d'accord, si on pique-nique ici, parce qu'après, il n'y aura pas d'ombre, il n'y aura pas de vent. Ben oui, ça marche. Et puis, hein. Là, il n'y a pas de monde. Bien. C'est bon. Allez. Je vais vous montrer quelque chose. Ah, bon, allez. De machin pour prendre. On va parler. Attends, moi. Si, attends, il y a ça, regarde. On prend. On ouvre ça, ça va être pentagruélique, les gars. Parce que moi, j'ai une fourchette. C'est ouvert. On est en train de vous préparer les sandwichs à la sardine. Hein ? Vous faites ça à la manière. Et puis, madame Kabourov, qui est en train de préparer aussi les sandwichs. Voilà un couteau aussi, pour celui qui ne veut pas. Ben, tu peux le prendre, tartine. Voilà. Tu es une mère pour Mais tu es... mange naturellement. Restons naturels. Nous avons été repérés. Femmes et enfants viennent à notre rencontre. C'est dur de les voir nous regarder. Nous leur distribuons eau, nourriture et bonbons. Il n'y a aucune agressivité. Nous remontons dans nos 4x4 et poursuivons notre chemin. Jao est obligé de couper avec sa machette des cactus un peu envahissants. Un berger en tambouille, Eric, originaire de cette région, engage la conversation dans le dialecte en tambouille. Souriant, il se laissera photographier volontiers. Au revoir, berger, et merci de ton hospitalité. On y va. Et là, ils vont croire, ouais, c'est le pipeau, tout votre truc là. Je crois que je deviens très fou, vraiment. C'est une espèce de jante en fait qui pousse, on peut dire, dans la mangrove. Oui. Qu'est-ce que c'est ce bahut là ? On essaie de passer petit à petit là où on peut passer.
T'as l'espoir, oui. Encore un superbe tombeau surmonté de magnifiques amouales. Nous approchons du fleuve Linta. Cette éolienne au loin ne fonctionne plus depuis près de 5 ans, obligeant la population aux alentours de puiser à longueur de journée. Qui pour abreuver son bétail ou pour faire sa lessive ou transporter l'eau dans les villages alentours pour arroser les récoltes. Messieurs les politiques, je viens de vous trouver une mission. Réparez donc cette éolienne. C'est une question de survie pour la population. Le fleuve Lint, comme son copain le Menaranch, est à sec. Nous pourrons le traverser très facilement. Ici, on se lave dans un trou d'eau creusé dans le lit du fleuve. Et je crois que je ne me suis pas trompé. Alors nous avons la dextérité de notre chauffeur guide. Down. Bah, il faut qu'on y passe. Hein. Il faut passer, voilà, comme il dit. Hein. On passe ou on dort ici. Attaquons maintenant le dernier tronçon de l'étape du jour. Parce que j'ai peur qu'en haut on voit pas le relief. C'est trop pimenté, il paraît. Hein? C'est trop. Les petites créoles? Ouais. Là, tu vois comment il mange. Ah, il mange du piment. Nous arrivons enfin à Itampur. Après 10 heures de route, nos chauffeurs sont bien fatigués et nous comprenons pourquoi. Nos reins ont été mis à rude épreuve, mais devant une telle aventure, une piste hors du commun, des paysages magnifiques, nous oublions toute fatigue. La preuve, c'est que demain matin, nous reprendrons une partie de cette piste en sens inverse. Nous nous rendrons au petit village de pêcheurs d'Ambouiboul. Mais ça, c'est une autre histoire que vous verrez très bientôt sur cet écran. Nous passerons deux nuits chez notre hôte
Pierrot. Le gîte est très simple et le confort moyen, mais l'accueil est chaleureux et la vue sur le lagon est splendide. Pas de vieux os ce soir. Un joli coucher de soleil. Un apéro avec Pierrot. Un super sac à au menu oursin, carpaccio de poisson et poisson du jour grillé. Un vrai régal. Et après, dodo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et il y en aura encore beaucoup.